Là, c'est le spectacle de Gaïa. L'aventure de Gaïa. Amis, venus vous protéger à l'ombre des derniers arbres. Vous ne pouvez ignorer que la déforestation et le réchauffement climatique ont transformé notre planète en un grand désert de roc et d'acier. Les animaux les plus vaillants, privés de leur habitat naturel, ont envahi nos villes. Les derniers humains vont vous faire partie. Survivre courageusement dans ce monde impitoyable où les Monkey, une tribu de singes particulièrement développée, font régner l'ordre. Bon, ça va. Mais il reste un espoir pour tous. Que la Terre redevienne fertile en déclenchant le pouvoir de Gaïa. La prophétie dit que ce miracle aura lieu aujourd'hui, grâce à vous et une poignée de héros. Alors, courage à tous. Alors, je pense que c'est prêt. Choco ! Ouais ? C'est moi, Marty ! Oh ! Coupe la clôture électrique ! J'arrive ! Non mais sérieux, et à chaque fois c'est pareil, hein. On peut pas manger tranquille ou bilou. C'est bon, je m'en occupe, j'arrive ! Oh, y'en a marre, hein. Oh. Presse-toi ! Je suis poursuivi par un Monkey ! Oh, je suis désolé, Marvin, t'es incroyable. Bouge pas d'ici, mais arrête de te pédaler, hein, parce que... Choco, coupe la clôture électrique ! C'est bon, j'ai compris ! Non mais sérieux, vous avez vu comment il parle ? Oh. Choco ! Oui, bah c'est bon ! Voilà. Ouh ! Oh, ça m'a surpris. Verrez encore ta clôture ! J'ai mon cœur rouge ! Ouais, mais ça va, oui, je peux pas deviner, je suis pas Madame Soleil, hein. J'hallucine, quoi. Oh! Yeah! Oh! Oula! T'as comme le paquet! Fais chercher la balle! Comment il a fait pour ça? Ok! Mais qu'est-ce que t'as piqué? Des bananes! Mais c'est pas sérieux! Ouais, je veux pas courir pour des bananes, ouais! Pousiller le moteur de ton voile, hein? Ah bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément! Il m'a demandé de préparer une potion. La potion de Gaïa. Non mais, Marty, une potion, c'est rien qu'une souplette. La bonne souplette à papy. Bah, c'est des mythos, ça s'appelle. En plus, ça va faire quoi? 15 ans qu'ils sont partis, ton grand-père et ta mère. Il y a un moment, tu sais, il faut arrêter d'y croire. Ils m'ont promis qu'ils reviendraient. Oui. En attendant, j'avais pour mission de protéger les fruits de Gaïa qui poussent dans cet arbre. Wouah! Ah bah attendez, en fait il a une mission le petit. Il doit survenir un poireau, sur pied, avec trois cornichons accrochés aux branches. Et tout ça pourquoi? Attention, roulement de tambour, hein. Préparez une souplette, waouh! Non mais sérieux mon pote, tu fais pitié, hein. Je te le dis tout de suite, le Monkey à qui t'a piqué les bananes, il va revenir avec ses deux frangins, tic et tac, et faire toc et toc dans vos tronches. Voilà ce que je vois. Mais non, on risque rien, la clôture nous protège. Ouais, si tu le dis. Enfin. Voilà, c'est prêt. Oh, j'en mets. Oh, je peux en manger une. S'il te plaît. Enfin, à force de voir Marvin pédaler, je suis en PLS chez la dalle. Allez. Plus tard. Ah oui. Maintenant, on doit écouter la cassette audio du grand-père pour vérifier ses consignes une dernière fois. Ah bon? Pourquoi une dernière fois? Parce que le retour est programmé pour le jour de mes 25 ans. Ah oui, ça je sais. Et... C'est moi ou tu débiles à 24 en fait? Quoi? Ouais. C'est aujourd'hui le jour de mes 25 ans. Oh la... Oh la louse. Oh bah disons... Oh bah j'ai complètement oublié. Oh bah tiens, on va faire ça. Joyeux anniversaire.
Merci. Merci à tous. Et c'est pas le moment. Chapeau. Je dois brancher le lecteur. On en est où niveau électricité? Ah bah pourquoi? Ah bah ouais, il pédale à 2 heures, Marvin aussi. Ah mais je suis désolé, mais. Ah, ça c'est parce que t'as pas mon physique avantageux. Hein. Allez, écoute, t'as été formidable, mais je vais te remplacer qui est avec toi. Ah ouais? Eh ben on la fout, il vient fort, dis donc. Ça c'est parce que je suis jaloux, tu vois. Il se rend pas compte. Oui, c'est bon. Oui, bah c'est bon. Presse-toi. Mais faut bien que je le raccompagne quand même, merci. Hein. Eh, t'inquiète, hein, je suis motivé comme jamais. Eh, regarde-moi, je vais m'envoler vers l'infini et au-delà. Au secours, Marty. Tu es le seul espoir de cette planète. Mais c'est ton grand-père Peter qui te parle. Si tu écoutes cette cassette, c'est que tu as survécu aux 15 années nécessaires pour que les fruits de Gaïa intègrent leur maturité. Je t'ai laissé la recette permettant de concocter une potion avec la liste des fruits indispensables à sa conception. Tout doit être prêt à notre retour le jour de tes 25 ans. Pour cela, j'espère que tu as encore mon vieux buggy, nom de Zeus. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles, alors, attends-toi à voir quelque chose qui décolle. Choco, pédale-moi vite! Quoi? Tu vas tout faire cramer! Oh non! Je vois la clôture! La clôture électrique a sauté! Les Pokémon vont attaquer! Mais c'est ça qui vient chercher, ça sort pas de ta compte! Thank you.
Vous dire que je suis tellement intelligent. Ah, merci. Oh, Marty, tu sais quoi? Monte notre buggy, on va le faire revenir pour grand-père. Ouais, parce qu'on va le faire monter à 80 000 miles à l'heure. Ah, il en a peut-être pas l'air, ce vieux pilou. Mais il en a dans le ventre. Je lui ai apporté toute la petite modification spéciale. Alors, accroche-toi bien, mon poulet. Parce que d'abord, je te remets dans l'axe. Et ensuite, ça va péter. Tiens-moi ça, ça me servira au moins quelque chose. Père, es-tu là? Le déplacement temporel est une réussite. En revanche, j'ai bien fait de prendre l'option câble anti-chute, sinon je finissais en fond du savoyard. Père, me reçois-tu? Je ne te vois pas, ça m'inquiète. Léa, ma princesse, est-ce que tu m'entends? C'est papa. Mais où es-tu? Oh non, de Zeus! J'ai dû me tromper en tapant la date sur le clavier. Ah oh ben, me voilà en plein Moyen-Âge, avec des chevaliers en armure. Oh, tu ma fille, as-tu vu Marty? À quoi ressemble mon petit-fils, avec 15 années de plus? As-tu préparé la potion? Dis-moi! Père, je viens tout juste d'atterrir. Oh, qu'importe. Fais-le, si les fruits de Gaïa ont poussé. Alors? J'ai plus de batterie et je capte très mal. Allô? Tu vas devoir te débrouiller. Ça va vite. Bonne chance, Tati. Tu embrasses ton petit-fils pour moi. Les fruits sont bien là. Ils ont l'air mûrs. Qui que vous soyez, ne touchez pas à ces fruits et reculez d'un pas. Sinon... Mademoiselle, elle était charmante. Et ça te dirait une
glace à la menthe. Et tu savais que ton père, c'est bien un voleur. Parce qu'il a volé toutes les étoiles. T'as fini? Oh ben non, tu me coupes en plein milieu, mais... Oh, je te raconte pas le crush que j'ai. Dis-moi, c'est qui, la mère. Oh, la gênance. Ouais, non, mais en même temps, si j'aime que toi, comment tu veux que je devine? En plus, je suis en costume de super chocobanage, je sais pas pourquoi. Merci, copain. Oh là là, hey, je suis désolé, dame. Je suis choco, là, je suis le meilleur pote à votre fils, enfin voilà. Si je peux vous être utile, à peu près. Oui. Oui. Vous taire. Mon fils, il est temps de cueillir les fruits de Gaïa pour confectionner la potion. Pour confectionner la potion. Peux-tu faire monter la cage de protection? Seulement si tu me dis à quoi va servir cette potion. Lorsque le docteur mystique me l'a fait boire, les effets sur moi furent immédiats. À ma grande surprise, j'ai pu contrôler la puissance de l'air, de l'eau et du feu, comme tu as pu le constater. Non mais sérieux, mais n'importe quoi. Marty, ça se voit qu'elle est en train de te mettre une grosse disquette, ta mère. C'est rien de plus baratin, voilà. Ah, oh, comment ça arrache le slip, votre truc. Et je pourrais avoir une petite goutte, moi, de votre potion. Une coutinette. Mais cet arbre de vie est encore trop jeune pour fertiliser la planète tout entière. En revanche, si je bois à nouveau la potion confectionnée avec les fruits de Gaïa, je pourrais lui transmettre l'énergie manquante. C'est pour cette raison que je dois les cueillir. En me confiant la recette de sa potion, le docteur mystique m'a expliqué que je devais attendre 15 années avant que les fruits mûrissent et atteignent leur plein pouvoir. Ne sachant pas si j'allais survivre durant ces 15 années, ton grand-père a créé une machine à voyager dans l'avenir. Pour moi, je t'ai quitté hier et tu n'avais que 10 ans. Oh, j'ai trop mal. Maintenant que tu sais tout, allons vite préparer la potion. As-tu réuni tous les ingrédients nécessaires? Tous. Il y a des bananes qui sont pourtant une dorée rare de nos jours. J'ai dû envoler mon quai. Ouais, bah devine quoi, ils vont venir nous choper, hein. On va tous finir en chanson, ça c'est sûr, et comme 2 et 2 font 6. Voilà. Je ne les laisserai pas faire. Ouais, pourquoi? En attendant le retour, nous devons préparer la potion de Gaïa. D'accord. Les fruits doivent cuire dans cette cuve. D'accord. Choco, oui. Allume ce feu. Ah, bon bah non, bouge pas, je vais aller trouver quelqu'un. Peut-être que je peux demander à Marvin de revenir, mais cette fois-ci, en reliant le vélo directement à la cuve. À la vitesse où il pédale, dans 5 volants. Waouh! Oh mais sérieux, les pouvoirs qu'elle a. Et moi je vous le dis, hein, les monkeys vont en prendre plein la tronche là. Pouh, pouh. Détrompe-toi. Cela m'épuise et je dois m'économiser pour l'arbre de vie. Ils arrivent. Qui? Oh non! Ouais, les bonbons! Et tiens! Oh oh! Vas-y, coupe ta peau.
aimeriez bien en boire un petit coup tous les deux. Par le pouvoir de Gaïa qui m'a été confié, et grâce à la vertu de cette potion, je vais pouvoir offrir à notre arbre de vie l'énergie suffisante pour sauver la planète. Son pollen transporté par le vent fera repousser nos forêts, verdir nos vallées, fertiliser nos champs. Que renaisse l'équilibre du monde. C'est un mec Michon, un coup c'est un mec musclé. C'est ce qui fait un joli spectacle et qui permet que tout se repose. Donc les acteurs changent de rôle, leur fait rien de deux séances. Allez, tu vois les petits. Et ce qu'il y a de sympa, c'est si vous restez, vous avez apprécié le spectacle, c'est qu'ils reviennent et vous pouvez prendre des photos avec eux. Ils sont là, et là ils disent bonjour, au revoir et ainsi de suite. C'est ça qui est sympa. Allez. Donc si vous voulez prendre des photos à ces acteurs et actrices, c'est tout le bonheur que je vous souhaite parce que le spectacle est magnifique. Spectacle de Gaïa. Allez, tchou les petits loups.